Mayday. Le FBA, c'était un garçon très intelligent, timide, bien vrai, mais je ne pense pas qu'on a eu à lui reprocher une certaine mauvaise conduite vis-à-vis de ses camarades, moins encore des maîtres. Il lui arrivait des fois de se laisser taquiner sans répondre, puisque le plus souvent, lui, il lisait. Mais ne taquinait pas les autres. Ne taquinait personne. Ses camarades peuvent le témoigner. Calme mais très déterminé, Paul Biya va recevoir dès l'école de la mission catholique d'Enden un régime pédagogique rude. Un régime qui repose sur l'émulation et déjà, le jeune prodige choisit son enseignant pour modèle. Parmi les maîtres que nous étions, il admirait principalement M. Oyelowo Ambroise. Ainsi, il disait Amboulou. Monsieur Oyon Ambroise, il est my fort boitin à Nénia, puisqu'il admirait la façon dont Ambroise se tirait d'affaire pour enseigner, pour expliquer les leçons. J'ai aussi eu à féliciter le jeune Béa parce que je m'occupais des sports, en l'occurrence le scoutisme. Il était Louveteau. Louveteau, c'était un jeune scout. C'est-à-dire ceux qui avaient moins de 14 ans. Ceux-là, on leur apprenait aussi les mouvements, mais on tenait compte de leur jeunesse. Études et spiritualité rythment dans le quotidien des jeunes élèves, ce qui ne laisse que très peu de place aux loisirs. Néanmoins, il arrive que les apprenants soient conduits en totale immersion pour découvrir les merveilles de cette forêt équatoriale. On parcourait les brousses ici à Nden. Beaucoup de sifflets, on grimpait aux arbres, on nageait dans les étangs, on faisait des jeux d'adresse, on découvrait les plantes médicinales. Oui. Et là, il était brillant comme tous les autres. Sa ferveur de chrétien se consolide au fur et à mesure qu'il avance dans ses études. Et rendu au pré-séminaire des DEA, Paul Biya va faire une nouvelle expérience de la vie en communauté. Cette photo a été prise à la fin de l'heure. Formation au pré-séminaire de DEA. Il y a donc notre illustre élève, mon illustre élève, Paul Biya. Devant lui, l'abbé Ngandé Charles. À côté de lui, il y a le professeur Georges Ngango. Un peu plus bas, il y a l'abbé Raphaël Zé, qui est directeur de grand séminaire d'école Buisson. Il y a Monseigneur Jérôme. Nous, on l'appelait le Dieu au séminaire. Maintenant, c'est Mimbo, professeur Thomas Mlone. Oui, c'est Monseigneur Bonneau, le veille de Douala. Il était venu donc, quand il y avait des rentrées, à Connaître, une nouvelle rentrée, il venait voir les nouveaux qui entraient, c'est mêlé aux anciens. Il y a le père Claude Delettre qui était directeur de l'établissement. Cette solidarité de groupe contribue à atténuer le vide affectif causé par la séparation d'avec ses parents. Il était un garçon très sympathique, hein? Très sympathique. Il venait aussi de Nden, d'une famille très chrétienne. Il avait eu une formation chrétienne à partir de son bas âge. Et arrivé à Idea, il ne s'était pas dépaysé. En tant qu'ancien que le servant de messe, c'est celui qui était en tête, le servant de messe. Et le chant surtout, il était parmi les meilleurs chants. Ici vont se tisser entre camarades des liens uniques et très profonds. C'était des élèves très doués dans l'ensemble. C'est une classe qu'on appelle une classe forte. C'est très doué.
Et Paul, on aimait, moi je l'aimais, je l'appelais facilement Paul. Des amitiés juvéniles qui vont se prolonger pour certaines jusqu'à ce jour. Au petit séminaire d'Akonan, où le jeune Biya s'inscrit par la suite, la discipline est intangible et parfois même accablante. Ce qu'il faut dire, c'est que dans notre cours, à nous, pour se maintenir, il fallait vraiment être fort. Parce qu'il y avait une espèce d'émulation formidable. Et il était lancé, comme tout le monde, dans la bataille de nos études. Mais en gardant toujours ce côté de lui-même qui était assez difficile à percer. La rigidité des préceptes et des règlements va marquer durablement le jeune Biya et ses camarades, dont les rivalités s'expriment à travers les résultats scolaires et les tableaux d'honneur. Nous sommes tous un peu le fruit de nos diverses formations. Effectivement, nous avions un père au séminaire qui s'appelle le père des lettres, qui était un homme extrêmement rigoureux. Et c'était lui le directeur du séminaire. Le lever se faisait à 1h pile, le coucher devait se faire à 1h pile, et tout devait se faire à l'heure. Et quand c'était vous surprenait en dehors de ce règlement-là, c'était un péché. On taxait ça de péché à notre époque. Bon, par exemple, nous devrions boire de l'eau rien qu'à l'heure du repas. Et de vous trouver en train de boire en dehors du repas, mais c'était une histoire. Si bien que nous avons passé 5 ans avec ce père qui nous a vraiment marqué. Il se promenait ici chaque fois. Mais Paul Béa, lui, il était un peu plus gosse que moi. Moi, j'avais déjà 22 ans quand je les ai vus, je les voyais. Il faisait les petites fêtes dans la vieille maison de mon papa là. Voilà, ils sautaient là, comme quand on leur donne les petites grenadines, ils sautent comme des enfants, et puis tout là, les grands prêtres, les pères de lettres, et qu'à eux, ils restent tranquillement, ils boivent ce qu'ils font, mais ils voient ce qu'ils font de beauté. Le passage de Paul Biya à Akonan, à des années après, laissait des marques indélébiles, y compris dans les rangs des générations de séminaristes qui vont suivre. Quand on est arrivé à Akonan, on a entendu parler de lui, bien sûr qu'on était très fier que l'un de ceux qui sont passés par là soit devenu ce qu'il était aujourd'hui. La foi chez Paul Biya, malgré toutes ces années, est restée ferme. Ce que je pourrais dire, c'est tout simplement que, en tant que chrétien catholique, quand il participe aux offices religieux, il ne s'y sent pas comme un cheveu dans la soupe. Il est parfaitement à l'aise. Parce que, né d'une famille profondément chrétienne, baptisée, communiée, confirmée, et puis le séjour au séminaire, donc, il est dans son élément. La toute première, quand j'ai rencontré cet homme en tant que son évêque, et c'était, je dois dire, 4 ans après, en 2013, après mon installation de 2009, l'impression que vous avez vraiment, c'est d'avoir quelqu'un qui a l'expérience de la rencontre du chrétien avec sa hiérarchie ecclésiale, l'évêque. Le puissant Paul Biya, je pourrais mieux dire Paul Biya, n'est-ce pas, chrétien, surtout l'ancien, vous rappelle, n'est-ce pas, son passé d'ancien séminariste. Vous l'avez devant vous, c'est vraiment l'attitude du petit séminariste. C'est à peine s'il ne croise pas les mains, n'est-ce pas, comme pour vous le vénérer. Mais vous le surprenez toujours, en train de vous parler toujours les mains, n'est-ce pas, liées. L'attitude qu'on nous apprenait au petit séminaire. Et pas, n'est-ce pas, des bras ballants dans les poches comme si on était devant un camarade, un collègue. Mais ça vous marque déjà. Et on n'est pas déjà devant l'hôtel, hein. On est vraiment à l'air libre comme nous sommes là. Alors j'ai eu à échanger avec lui en 2013. Nous avions passé plus d'une heure de temps dans son palais étudié, dans une rencontre que nous avions, n'est-ce pas, eue.
programmé au départ ensemble et qui m'avait marqué dans cette attitude de petit séminariste. Et en plus, il s'exprime à vous vraiment avec déférence, bien sûr, justesse, pour que, bien sûr, la rencontre puisse être fructueuse. Ce n'est pas en vous tutoyant, c'est en vous voyant, dans votre titre d'excellence. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Et c'est quelqu'un qui a l'âge de mes parents. Si mon père avait survécu jusqu'à aujourd'hui, il aurait, n'est-ce pas, son âge. Ma maman est vivante, c'est à peu près 2 ans. Ouais. C'est d'écart, c'est... Vous voyez, c'est ça, ça, ça m'a marqué. Et vous vous séparez comme ça, et vous avez vraiment cette impression. La satisfaction que j'ai à travers tout ça, ce n'est pas tellement de bénéficier de lui, des honneurs de cette nature, mais c'est de découvrir un homme qui a gardé sa foi et qui l'exprime, n'est-ce pas, avec ses signes, ses marques extérieures qui peuvent témoigner que nous avons en lui, n'est-ce pas, un chrétien régulier, pratiquant, un bon chrétien, si je peux ainsi me résumer. Et sa rencontre avec les pères religieux a produit en lui un véritable déclic. Quand j'ai fait inaugurer, n'est-ce pas, cette cathédrale, je n'étais pas en train de faire un jeu politique. Il a eu à participer, et ça de manière directe, c'est-à-dire personnelle entre lui et moi, entre interpersonnels. Lui prend, il m'en donne. Ou alors... il me fait donner par son cabinet civil, mais aussi il participe par d'autres biais, à travers, n'est-ce pas, d'autres délégations, ou, n'est-ce pas, tel service vous donnera ses signes par rapport, n'est-ce pas, à sa relation avec lui et surtout ses intentions. Donc, on se sent soutenu et le fait comme chrétien en sa manière. Et il faut dire que cette participation, il aime la faire en sa manière. Et vous voyez quelque chose, je ne vais pas toucher, si vous voulez, la modestie de l'homme, parce que devant Dieu, vous avez parlé tout à l'heure de l'humilité, effectivement. Devant Dieu, c'est vraiment dans l'attitude qui convient ou à la créature, hein, devant Dieu, devant la divinité, que Paul Biya se réalise dans sa foi, surtout devant les signes de la foi, que ce soit les personnes, que ce soit des structures, qu'on soit à l'intérieur, devant une croix, devant le tabernacle, ou telle autre image, même en dehors de l'Église. Alors, il est là, il aime bien participer de sa poche, de sa bourse. C'est-à-dire, il n'ira pas prendre des milliards qui sont pour l'État, il prend pour sa famille. La première fois que je le rencontre en 2013, je n'oublierai jamais cette image. Pour la première fois, je m'étais retrouvé devant lui dans son palais, ayant exprimé une demande 2 semaines auparavant dans son village. Il m'avait reçu à Yaoundé, m'ayant reçu devant, n'est-ce pas, dans le salon officiel. Eh bien, après un entretien que nous avions eu, eh bien, il va partir, prendre ce qu'il avait apporté de sa maison. Très certainement, après concertation avec son épouse, les enfants, et il amènera lui-même en main. J'avais envie, n'est-ce pas, de chanter le chant, vous voyez, processionnel que nous prenons quand on vient remettre ces cadeaux, n'est-ce pas, à l'hôtel. Je m'exprime en langue, il comprend et beaucoup ne comprennent, c'est un chant. Vous voyez ça, je l'avais vu. Je n'oublierai jamais cette image. Et ça, c'est une image qui me reste parce que je ne peux pas la communiquer. Je l'ai vécu, il n'y avait pas de caméra. Mais je vous assure, si on l'avait vu, vous aurez bien compris qui est Paul Biya devant Dieu, c'est-à-dire...
infidèle, convenable dans son attitude et qui est différent, n'est-ce pas, par rapport à son Dieu. Il amena le produit, pas par un chèque. Ça se serait passé simplement de me dire, allez voir le chef de cabinet, allez voir tel. Non, on avait compris qu'il avait préparé quelque chose. Et il avait amené, apporté en main. Non seulement je voyais ça dans cette satisfaction de leader, n'est-ce pas, de la foi ici, donc de pasteur, par rapport à cet homme, mais ça me donnait aussi des leçons à moi d'humilité, des leçons de foi. Alors, je le vois venir avec sa part de don et de me dire, voilà, excellence, prenez-en, c'est ma participation, ma part de participation et celle de ma famille. Vous voyez ça? Ça me marquera beaucoup. Et de ma famille. Et il me le remit. Voyez ça, c'est très important. Il ne l'avait pas fait de manière administrative. C'était, n'est-ce pas, de manière très personnelle et vraie. Excellence, monsieur le président de la République du Cameroun, voici le cadeau que l'Église catholique du Cameroun et la diocèse de Yaoundé vous offre à l'occasion de la proclamation du titre de la basilique Marie-Mère des Apôtres, patronne du Cameroun. On nous a dit dans le temps que la personnalité de l'homme se façonne à partir de son enfance. C'est dire que le président, né d'une famille profondément chrétienne, bien, sa personnalité est déjà façonnée par papa et maman, qui étaient, d'après ce qu'on nous a dit, des gens très simples, très croyants. Donc, nous savons que ces gens-là sont des gens également profondément honnêtes, droits. Je crois que tout cela a marqué le président. Maintenant, son séjour au séminaire a complété en quelque sorte son être humain, sa formation humaine, sa formation chrétienne, intellectuelle. Et il a été nourri aux humanités gréco-latines, ce qui a fait de lui, tout le monde en convient aujourd'hui, un grand humaniste. Et je crois que Africain, pétri de valeurs africaines de par ses parents, pétri de valeurs chrétiennes, nourri, n'est-ce pas, la culture gréco-latine, bien, c'est un grand humaniste. Avec tout cela, je crois qu'on a tout ce qu'il fallait pour avoir le président qu'il nous fallait pour le Cameroun. Tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont été en contact avec le président Biya ont vu se dégonfler tous les préjugés sur son sujet. L'intendant adjoint vient nous dire un beau matin, venez demain très tôt, venez bien habillé, on va se retrouver à la résidence. Nous sommes partis à la résidence, mais le cœur chauffait. On était des jeunes. Rencontrer le président comme ça, c'est dans notre tête. On était contents, mais on avait peur. À 13h30, nous sommes assis là, un de nos camarades, un maître d'hôtel, qui travaille télépermanence, vient nous dire, le président vous appelle. On était dépassés. Le président nous appelle. Le président, il aimait prendre son déjeuner à l'époque au balcon de la grande résidence là. On était un peu à distance, on s'arrête, on salue. Il dit, mais venez. Avec un ton très doux, très gentil. Pour ça, cette gentillesse, je garde ce souvenir de ce monsieur encore jusqu'à aujourd'hui. Et on arrive. Il dit présentez-vous, on donne le nom. Il nous dit,
vous êtes venu au palais. Ne vous faites pas intimider par les anciens collègues. Je sais qu'ils vont vous faire ça. Il nous a dit de sa bouche, désormais, votre vie a changé. Soyez seulement intelligent et courageux. Faites seulement votre travail. C'est un homme qui est difficile à connaître. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît le président, c'est qu'il va un peu trop vite en besogne. Mais, un peu, comme j'ai quand même passé 13 ans avec lui dans la maison, il est optimiste. Ça veut dire qu'il a beaucoup de foi. Le passage de Paul Biya dans l'univers religieux et la direction spirituelle qu'il a reçue ont jusqu'à ce jour sculpté non seulement son caractère, mais l'ensemble de ses faits et gestes. J'ai remarqué que c'était un homme qui n'est pas désordonné. Ce que nous faisons dans nos deux maisons, peut-être tu poses ta brosse à dents ici, elle se retrouve là-bas, ton rasoir, non. Donc pour son programme de travail, ça j'admire ça jusqu'aujourd'hui. Je prends par exemple, quand il se lève le matin, quand il nous rejoint, il est déjà habillé, nous les maîtres d'hôtel. Parce qu'il doit nous voir le matin parce qu'on doit lui servir le petit déjeuner. Quand il sort de ses appartements, il est déjà habillé, il demande son petit déjeuner. Vous allez donc poser, vous avez déjà fait la mise en place, vous allez donc servir. J'ai remarqué que c'était régulier. Il faisait les mêmes gestes, les mêmes choses. Il vient, dès qu'il s'assoit, il prend son petit déjeuner comme c'est un adepte du thé. Et pendant qu'il prend le petit déjeuner, si le cabinet nous envoie la presse, parce qu'ils envoient la presse tous les matins, il faut quand même lui présenter sa presse. Et de temps en temps, l'aide de temps, on peut envoyer un petit carton par rapport au programme de la journée. Il ne joue pas avec ça. Donc il faut le présenter. Il essaie de voir, il voit son programme. Dès qu'il prend son petit déjeuner, il peut vous donner, s'il a un truc à vous dire, vous le mettez tel par rapport à sa maison, par rapport à la journée qu'il va amener peut-être un étranger dans la journée, il va dîner avec, déjeuner avec quelqu'un parce que un, il n'aimait pas déjeuner, manger seul. Il peut vous donner des petits conseils. Après, vous dire, remettez la mallette à la sécurité pour le bureau. Il s'en va. J'ai remarqué que c'est des gestes qui sont là tous les jours. Mais il part au bureau, il partait au bureau tôt. Et il revenait toujours tard. C'est-à-dire partait vers quelle heure? Oui, le président allait souvent au bureau en environ de 8h30, quand j'étais avec lui. Et il revenait. Quand il n'y avait pas la journée continue, à 13h, il était déjà à la maison. Il prenait son déjeuner, il buvait sa citronnelle, il prenait sa sieste. Peut-être 30 minutes, 20, 30 minutes. Il vous fait signe. Vous remettez la mallette, il repart au bureau. Quand nous sommes arrivés à la journée continue, le président venait rentrer toujours entre 17h, 18h. 17h, 18h. Bon, parfois, ce n'était pas régulier. Parce que généralement, il mange deux fois par jour, le petit déjeuner, et il vient manger le soir quand il rentre à la maison. Mais parfois, avec certaines contraintes, il pouvait demander qu'on passe, lui donner un peu de goûter à 13h. Mais ce n'était pas lui. Il a gardé le rythme de tôt et rentré tard. Quand il arrive, il commande son apéro. L'apéro, ça prend du temps. Hein. C'est là où il est résistant, il est tellement résistant. Il prend l'apéro. S'il a un ami, un collaborateur, il mange, il prend l'apéro avec lui, il s'échange, Après, peut-être 1h, 32 heures d'apéro, voire même 3, il commande donc le premier plat. Peut-être l'entrée, la résistance, il mange comme ça, il cause. Quand cette étape finit, il peut continuer à rester là-bas et causer. Nous débarrassons. Mais le soir, il aime visionner de temps en temps. Les films? Pour les films, il aimait les cowboys, les films d'action. Les anciens films américains, là, vraiment,
Il aimait ça, les films d'action, là. Il aime ça. J'ai vu. Et dans le sens de la musique, il suivait beaucoup le Mozart. Le bol aussi. Il est là. Et quand il visionne en dehors des films, il avait quand même une ou deux chaînes où il pouvait regarder l'actualité. Parce que le président, il regarde beaucoup l'actualité par rapport à... Comme actuellement, il y a la guerre en Ukraine. Il suit ça de près. Ça, je vous le dis, il suit ça de près. Je suis convaincu. Il suit. Parce que c'est normal. Je me souviens la guerre du Golfe, quand ça avait déclenché. Je me souviens l'attaque avec les Américains. Ouais, dans ce sens de la guerre du Golfe, il suivait. Et quand l'heure arrivait, nous étions obligés d'aller mettre ces chaînes-là. Oui. Donc, c'était des chaînes précises. Également sur les chaînes nationales sur les chaînes nationales, le président est méticuleux. Il suit beaucoup le mouvement au Cameroun. Il suit beaucoup le mouvement au Cameroun. Parce que moi, comme j'ai passé tout mon temps là-bas à la résidence, je dormais même rarement chez moi. Parce que je me souviens, par exemple, quand on m'a donné la charge de maître d'hôtel et de junior, j'ai fait 4 ans sans dormir chez moi, mais j'habitais le palais. Je venais seulement, je rentrais. Il suit beaucoup la CIA TV. Il suit certaines chaînes de temps en temps. Il suit ce qui se passe au Cameroun. À travers une vie personnelle dénuée de toute ostentation, Paul Biya a gardé depuis sa tendre enfance le respect de certaines valeurs. Le sens de l'honneur, l'esprit chevaleresque, la droiture. Et c'est tout naturellement qu'il réprouve le mensonge. Parfois, quand il vous pose une question, si vous n'êtes pas un homme qui suit beaucoup les informations, vous aurez honte. Vous aurez honte de vous-même parce qu'il m'a obligé, par exemple, moi, à être toujours prêt à répondre que je peux répondre ici. Et quand je ne connais pas, parce que là, il n'aime pas le mensonge. Il faut dire, excellent, je vais vérifier. Ou bien, je n'ai pas suivi. Ne répondez pas comme j'ai vu même des grands là-bas parfois venir lui dire, oui, c'est ça, c'est ça. Après, quand il sort, lui, te regarde, il se dit que, mais moi, je connais ça. Bon, parce qu'il suit le Cameroun. Je ne sais pas. J'ai même parfois pitié de lui. J'ai même dit un jour que le président, j'ai l'impression que lui, il a plaisir à servir les autres. Je vous dis ça. Il a plaisir à servir les autres. Si, comme nous sommes ici, nous sommes Koumdoum, non. Quand les gens parlent, par exemple, au quartier, je me mets à rire. Ou bien qu'ils ne connaissent pas dans un bar. Donc, quand vous voyez, par exemple, le cas où nous avions les opposants, je prends donc un cas comme ça, avec les opposants et le président, il ne faut jamais mettre votre bouche. Je vous dis, jamais. Le président, quand vous trouvez le président en intimité, il est en train de causer avec quelqu'un pour les opposants ou bien pour un opposant. Mais vous avez des sueurs froides. Vous croyez que c'était la guerre. Vous croyez que c'était un combat. Pour lui, non, ce sont ses enfants. Ce sont ses amis. Il a même fait des choses avec ces gens. Il a soigné. Il a aidé financièrement. Il a fait des choses. Je me dis même que est-ce que... Peut-être qu'il ne veut pas que les gens sachent ça. Mais il le fait. Et comme parfois j'étais dans le couloir... Il le fait en toute discrétion. En toute discrétion, le président aide ses opposants. Parfois, j'entends quelqu'un aboyer. Je dis que peut-être celui-ci aboie parce qu'il veut déjà manger. Celui-ci aboie peut-être parce que depuis, il croit qu'on l'a oublié. C'est lui qui dit ça. Le président aide ses gens. Je dis, vous commencez par la santé, les finances. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de courriers qu'il recevait souvent. Quand vous voyez, c'est tel qui écrit, qui demande ça à ce monsieur, tu dis, mais nous sommes alors où là? Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il a parfois plaisir à servir les autres. À être utile pour les autres, à servir son pays, le Cameroun. Moi, j'ai dit que c'était un esclave du Cameroun, en commençant par le travail. À la table du président de la République, de bons petits plats, même si la préférence est d'abord aux mets locaux. Le président, vu son rang de président, ses fonctions, ça veut dire qu'on voit grand. On voit toutes les nourritures du monde. Et il y en a même. Mais ce qui m'a encore plus impressionné, c'est que le président Paul Biya est
aime consommer camerounais. Camerounais. J'ai vécu des moments à l'étranger. Partout, je suis parti avec lui parce que je ne peux pas vous mentir, j'ai beaucoup voyagé avec lui. J'ai eu au moins 10 ans de voyage avec lui. Chaque année, j'allais au moins une ou deux fois. Et j'avais la chance à l'époque d'aller quand c'est le congé, par exemple. Il faisait 2-3 semaines. Même au voyage de noces en 94, j'étais avec lui. Nous sommes partis et je me suis dit, on était rentré un 19 mai parce qu'il y a le 20 mai, c'était demain. Le président consomme camerounais. Quel plat camerounais il aime bien? Si je vous impressionne en disant que le président aime par exemple les beignets de manioc, qu'est-ce que vous allez dire? Les beignets de manioc. Oui, les beignets de manioc, le président aime ça. Il aime bien manger ça. Le président aime manger le ndolé, il a mangé la sauce d'arachide au poulet, le zom par exemple. C'est des choses, ça dit que le président, bref, il consomme beaucoup camerounais. Quand vous êtes avec lui à l'étranger, ne tentez pas de servir au président aujourd'hui nos commandes là. Demain, vous faites encore ça. Il peut encore supporter. Mais le lendemain, vous allez voir. C'est pour ça qu'on était obligé toujours d'être prêt. D'être prêt. Avec l'expérience que j'avais, on avait des équipes solides où dès que tu demandes ça, on sort seulement. On voyageait, nous on voyageait même avec la bière du Cameroun. Je me souviens en Allemagne, on a même impressionné les Allemands avec ça, avec nos bières, les Guinness, les 33. Donc le président, côté alimentation là, son buffet, il aime la nourriture camerounaise. Comment ne pas voir dans cette hygiène alimentaire, dans cette hygiène de vie tout court, les secrets de sa longévité? Oui, ben je marche, comme vous voyez, je fais le cyclisme un peu, et puis la marche. J'ai trouvé le président avec beaucoup, il faisait le golf. Mais quand j'arrivais, il arrêtait déjà le golf. Il faisait le vélo. Le vélo, la marche. Il était résistant. Mais parfois, vous voyez comment les militaires la transpirent. Que parfois, quand un de mes collègues ou moi, on vient dire au militaire le matin que le président dit qu'il fait la marche. Le gars regarde le soleil. Il y avait la marche, avec le soleil là. Le président dit que vous voulez qu'on vous dise quoi? Le président dit qu'il fait la marche. Quand le président se met à marcher, il est résistant. Et j'ai remarqué dans ce sport-là, il contrôlait beaucoup son hygiène de vie. C'est-à-dire que le président, comme vous le voyez là, je crois qu'il connaît toujours son poids normal. Vous voyez, à un moment donné, il accélère le sport. Il sait le résultat qu'il veut. À un moment donné, il temporise. Il connaît le résultat qu'il veut. Peut-être qu'il est stabilisé. Pour le sport, il fait beaucoup de sport. Quand il rentre même parfois du bureau, il improvise à la maison là. Ah, il dit qu'il fait le sport dans la salle de sport. Il fait le sport. Et je crois que c'est une des forces dans sa vie et en contrôlant sa santé lui-même. Parce que lui-même d'abord contrôle sa santé. Peut-être c'est aussi ça sa longévité. Hein. Il a adhéré parce qu'il a une certaine hygiène de vie qui est réglée. Le président a été un sportif. Il a fait du vélo, il a fait de la marche. Il a fait du golf. Il a fait du golf. Et quand il m'est arrivé, moi, et quelques autres collaborateurs, de faire de la marche avec le président, et même un peu de la course à pied. Mais j'étais émerveillé. Et il me souvient qu'à l'époque, quand on faisait ces petites courses à pied, j'ai dû lui faire un compliment, monsieur le président. Je suis émerveillé parce que je vous vois courir. Ils ne sont pas nombreux qui, à votre âge, peuvent courir. Donc c'est ça les réalités. Et jusqu'à aujourd'hui, il fait sa marche à pied. Peut-être pas avec la même rigueur, la même fréquence, la même ardeur, mais il continue de faire sa marche, continue de faire du sport. C'est une endurance mythique. C'est remarquable. L'adage dit anima sana in corpore sano. Un esprit, une âme saine ne peut bien se développer que dans un corps solide et sain. Et puis, il y a d'abord ça. Il y a aussi le fait que
le sport stimule l'organisme. Il faut avoir un corps sain pour assumer les fonctions qui sont les miennes, pour ne pas être faible, maladif. Et le sport est un des moyens pour maintenir un corps fort, sain et vigoureux. Maintenant, le sport développe des qualités morales, l'endurance, la force, la détermination, le fair play. Vous voyez, il y a la formation de l'âme, du cissement du corps, le développement de qualités morales. Formé pour prêcher la vertu, le président Biya est resté malgré tout très attaché à sa famille. Malgré le déchirement de la séparation depuis toutes ces années, Paul Biya a gardé avec les siens des liens très étroits, bien que discrets. Le chef de l'État suit tout le monde de sa famille, y compris les petits-fils. Il suit tout le monde, mais avec son intelligence, il sait le faire. Il le suit à travers sa femme. Sa femme fait beaucoup de travail à l'intérieur, son épouse fait beaucoup de travail à l'intérieur que les gens ne peuvent pas maîtriser dehors. Elle fait beaucoup de travail et c'est comme le cordon. Et c'est pour ça que sa présence à côté de lui, je ne peux pas vous mentir, est tellement importante. Est tellement importante. Si ces gens ont des choses, c'est cette femme. C'est elle qui vient plaider. C'est elle qui vient dire tel est déjà malade, tel il faut l'évacuer, tel est comme ça, tel est ceci. Moi, je vois que si on fait comme ça, donc son rôle est tellement aussi important dans cette histoire-là. C'est elle qui est ce cordon ombilical qui traverse là, entre les deux familles et entre même des amis de ces familles. C'est un boulot impressionnant qu'elle a bas. Sa tendre épouse, la première dame Chantal Biya, qui avec sa famille, comme avec d'autres, assure l'intercession. Quand il faut parler de cette grande dame, c'est avec beaucoup d'émotion. Parce que Madame Biya est une femme vraie. C'est une femme aimante. C'est une femme qui sait reconnaître ses amis. C'est une femme qui ne tourne pas le dos à ses amis. Et c'est une femme qui fait confiance à la compétence. Moi qui vous parle là, en 1995, Madame me contacta pour dessiner son logo du CERAC en tant qu'informaticienne chevronnée. Je suis restée à mon bureau un jour. Mon mari qui était directeur national m'appelle, il me dit « Libère ta ligne, la première dame veut te parler. Ah, » Moi j'ai dit « Mais c'est impossible, ne me raconte pas d'histoire. » Il me dit « Libère ta ligne. » Et c'est comme ça que j'ai raccroché et tout. Et 5 minutes après, il m'a appelé pour le compte de la première dame et elle m'a dit « Voilà, madame voudrait que vous conceviez son logo. » Je dis « Mais pourquoi moi ? Il y a plusieurs ingénieurs informaticiens à l'Ouest, à Yaoundé. » Elle me dit « Non, quand vous veniez au vœu ici, on vous a arraché votre sac à main dans le train et Madame Biya m'avait envoyé vous remettre 500 000 francs. Je profite de l'occasion pour dire encore merci, Madame la Première Dame. » Et après, vous avez écrit une lettre de remerciement à Madame sous une entête colorée de fleurs. Et c'est comme ça que Madame a dit « J'ai vu qui va dessiner mon logo. » Je vous assure, je tremblais quand je concevais ce logo en tant qu'informaticien. J'ai fait plusieurs modèles et tout. Ils sont partis avec les échantillons de logo. Et à ma grande surprise, madame a choisi un des logos, le logo actuel que vous voyez. Je vous assure, la première dame, c'est une femme pleine d'amour. En privé, le président Biya est resté un homme très discret, mais en même temps, très raffiné. Un mélange d'intelligence, de finesse, mais aussi et surtout de bienveillance. C'est pendant les événements que vous connaissez tous, en 1984, pendant les événements que je suis arrivé à la présidence.
Je suis devenu le chef du parc automobile. Par la norme même du chef de l'État. Je n'ai pas été envoyé comme ça. Donc il m'a nommé. Je suis devenu le chef du parc automobile. Par la norme même du chef de l'État. C'est difficile, hein? C'est très très difficile. Vous savez, un chef d'État, c'est une personnalité qui est à la tête d'un pays. Et quand vous l'avez dans la voiture, vous sentez que vous portez le pays. C'est le pays que vous portez. Donc vraiment, il faut avoir la tête sur les épaules. Et il faut savoir en ce moment précis qu'il n'y a pas d'erreur à commettre. Autrement dit, c'est tout le pays qui est dedans. Le chef de l'État, c'est une personne, je ne sais pas comment le qualifier. Parce que c'est un monsieur qui a un respect extrêmement poussé vis-à-vis de tout le monde. D'aucuns peuvent peut-être penser que, comme il est chef de l'État, peut-être il gronde beaucoup, il a peut-être un comportement autre, mais non. C'est une personne qui, je vous dis, qui respecte tout le monde. Pendant tout ce temps que j'ai été à ses côtés, ce monsieur ne m'a jamais appelé, il m'appelait monsieur. Il m'appelait monsieur et moi j'étais tellement, je ne comprenais pas que le président lui m'appelle monsieur. Moi je suis que chauffeur. Dans quelque part là, d'autres personnes là, quand il veut t'appeler là, il t'appelle chauffeur. Mais il n'a jamais fait ça. Il appelle monsieur. Ça vous dit quelque chose. Il n'a jamais fait. Peut-être que ton petit cerveau tourne autrement par rapport à un écart de langage. Non. C'est un monsieur très respectueux et qui prend tout le monde à la hauteur d'une personne. Il doit être respecté. Il y a la délicatesse de l'homme. Je dis délicatesse parce que le président est un homme d'une courtoisie extrême. Il a ce respect de l'autre, qu'il soit grand ou qu'il soit petit. Je vous donne ici une illustration. Quand le jeune diplomate que j'étais en 79 est appelé à la présidence de la République, je suis invité à rencontrer le président Biya parce que j'avais un pli pour le président Biya. Je revenais du Caire et je devais aller déposer ce pli au président Biya. Et on me donne un rendez-vous, je vais. Et puis, à un moment donné, on me reçoit. On m'installe au salon d'accueil du président. Et il n'était pas encore président, il était Premier ministre. Oui. Alors, le président entre, le Premier ministre. Évidemment, je me lève de là où j'étais assis. Et le président me dit, M. Chali, bon, me salue bien sûr. Et il m'indique le canapé. En principe, le canapé, c'est le chef qui s'assoit sur le canapé. Alors j'hésite un peu. Et il insiste, asseyez-vous. C'était ma première leçon de courtoisie. Alors j'étais très frappé par cette délicatesse du président qui l'a conservé tout au long de ces années. Ceux qui ont pu le rencontrer, être reçus par le président, que ce soit ses collaborateurs d'un certain niveau ou ses hôtes de marque, savent que le président ne vous reçoit jamais assis. Il vous attend debout. C'est ça l'homme, sa délicatesse. Très aimable, je pourrais vous dire que
certains de mes enfants, compte tenu que je n'avais pas assez du temps, parce que je me suis donné corps et âme à ce travail-là, je n'avais pas beaucoup de temps pour ma famille. Je veux vous dire un petit secret. Certains de mes enfants, c'est lui qui les a élevés. Certains de mes enfants dormaient là-bas. Ils venaient chez moi comme ça. Ils repartaient. On venait on les amenait. Ils revenaient pour venir nous visiter, quoi, visiter la maman. Ils repartaient là-bas. Ils ont fait l'école là-bas. Ce qui est difficile. Vous voyez à quel point c'était. Je ne peux pas manquer de. Je ne peux pas manquer quelque chose de très 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 important pour moi, pour ma famille, pour tous ceux qui me connaissent. Je dois le souligner parce que il fut un temps là, j'étais malade. J'étais très malade. Je travaillais. À un moment donné, il s'est rendu compte que mon aspect n'était pas très bon. Ça veut dire qu'il se souciait de moi, parce qu'il me voyait. Alors, je voudrais vous dire donc qu'il a demandé à son médecin personnel de voir qu'est-ce qui ne va pas à moi. Alors le médecin m'a pris, il m'a fait faire des examens un peu partout et il est allé lui dire que mon état, on n'avait pas un plateau technique pour pouvoir faire tous les examens dont il en avait besoin. Il lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Le médecin lui a dit qu'il faut qu'il se déplace d'ici. Et je vous jure, bon, je suis obligé de vous le dire, le chef de l'État s'est mis, alors que ma famille était déjà, ma femme, mes enfants, tout le monde autour de moi, un peu désespéré, mais le chef d'État m'a fait voyager pour aller à l'hôpital étranger, tel que son médecin lui est, ce que son médecin lui a dit. Je suis parti là-bas et après des examens approfondis, on a vu de quoi est-ce que je souffrais et on m'a pris en charge, on m'a soigné. Je suis rentré ici, j'étais déjà, comment on appelle ça, j'étais déjà requinqué bien. Et alors, arrivé à mon arrivée, je suis parti lui dire merci. Je lui dis merci, lui, avec son épouse, Chantal, Madame Chantal Biya, la première dame. Elle a fait beaucoup pour ma maladie là. Alors, vous savez ce qu'il me dit? Monsieur, Dieu l'a si bien voulu, même avec trop de moyens, quand Dieu ne veut pas, rien ne peut se passer. Je te conseillerais d'aller écrire la messe. Ouais. J'ai couru rapidement à l'hôpital, à la cathédrale. J'allais inscrire la messe. Je suis venu dans mon village ici. J'ai inscrit la messe. Donc j'ai essayé de faire ça. Vous savez, c'est.
c'est quelqu'un, quand il fait, il ne voulait pas, peut-être il n'allait pas me conseiller d'aller le faire, mais il a dit, c'est Dieu, l'argent seul ne pouvait pas, mais Dieu a mis sa main et tu es guéri. Va lire la messe. Je ne me souviens pas qu'on ait posé un problème au président de caractère humanitaire et qu'il n'ait pas apporté une réponse à ce problème. Je donne un exemple, une de ses connaissances, n'est-ce pas, cherchait à le rencontrer parce qu'il avait, elle avait un de ses enfants qui était moribond, était en train de mourir à l'étranger. Et ce monsieur tenait absolument à aller rencontrer son enfant avant sa mort et à le ramener au Cameroun. Il n'en avait pas les moyens. Il cherchait à rencontrer le président qu'il connaissait et il ne savait pas comment accéder au président. Mais il savait que j'étais ministre chargé de mission à l'époque et qu'il pouvait passer par mon canal pour rencontrer le président. Il l'a fait. Il m'a tenu informé de ce problème. J'en ai rendu compte immédiatement au président de la République. Je peux vous dire que dans les 48 heures, des mesures avaient été prises pour qu'un avion soit mis à la disposition de cette famille et cette jeune femme qui était malade, qui mourait dans un pays nord-africain, soit ramenée au pays. C'est quelque chose de... C'est un fait. Les qualités humaines, d'abord c'est le charisme de l'homme. C'est le charisme du président. Je crois qu'au premier abord, c'est ça qui vous frappe. L'homme est séduisant. L'homme a du charme. Et il vous rassure. Je pense que tous ceux qui ont pu avoir ce contact, ce premier contact avec le président Paul Biya, ont dû s'en rendre compte. Certains sont peut-être venus avec un couteau dans la main pour lui enfoncer dans la poitrine. Je suis certain que au cours de leur échange, ils ont pris le couteau et le lui ont rendu. Parce que c'est ça, le président Biya, qui vous rassure, qui a tous les bons pour cela. Et je pense que ce charisme-là, c'est ça qui fait d'abord le président Biya. Et c'est des choses que on n'apprend pas à l'école. Vous aurez pu avoir toutes les agrégations, tous les doctorats. Si vous n'avez pas ce charisme, vous ne l'avez pas. On ne l'achète pas, on ne l'apprend pas à l'école. Et c'est quelqu'un d'autre qui vous le donne. Ce quelqu'un d'autre, on ne le voit pas. Je ne peux pas ne pas parler de la grande culture du président. C'est un homme d'une très très grande culture. Et je crois que tous ceux qui l'ont côtoyé vous le diront. Que ce soit des Camerounais ou que ce soit des étrangers, ils vous diront que le président a d'une très grande culture. Il sait beaucoup de choses. Et puis, il a une mémoire phénoménale. Il vous rappellera des choses qui datent de longues années dans le temps. Des choses que nous oublions, mais que lui n'a pas oublié. Et c'est incroyable. Et quand il vous parle de l'histoire de tous les pays du monde, c'est vraiment édifiant. Au sein du cocon familial, Paul Biya est resté la sentinelle, le patriarche protecteur qui sait couvrir ses frères et sœurs comme l'ensemble de ses compatriotes, de sa tendre affection. Très attentionné. Il garde bien la famille. Et chaque fois qu'il est au village, quand il a le temps, il nous rassemble. On cause en famille. On cause. Si tu as fait quelque chose qui ne va pas, il te gronde. Mais quand tu ne fais rien de mal, il reste comme ça. Il ne nous dérangeait pas. C'est notre grand frère qui est mort là, qui nous tapait quand on a fait quelque chose, mais lui, il ne nous tapait pas. Un homme bon. Moi, j'utilise souvent le chapelet. J'utilise le chapelet chaque matin avant de me lever. Je fais le chapelet chaque matin.
et le soir quand je me couche, pour que Dieu le garde. Il faudrait que Dieu lui donne beaucoup de santé. Et qu'il le garde bien. Thank you.